Nous allons réaliser la breloque qui va aller sur notre album. Alors pour ça, j'ai pris deux fils de laine poilue, donc une argentée, une blanche, une petite comment dire, suspension, un petit bouton en nacre, comme ça, une petite pampille en nacre bleu. Je vais prendre une baie givrée, comme ceci. Et en fait, on reste vraiment dans les couleurs et le thème de l'album. Et je vais prendre les petits pistils givrés, bleus et les gris argentés. Donc, je vais faire. Donc, j'ai passé à travers la breloque, j'ai passé le fil poilu, hein, comme ça. Donc, faire un petit nœud déjà. Donc, ça passe, hein, c'est. Y a pas de souci, ça passe bien. Alors il faudra que sur la breloque, bien sûr, ça pende avec le côté nacré, ce serait plus joli. Ensuite, donc j'ai fait ce petit bouquet. On va rajouter du fil argenté. Alors je l'ai pris à peu près 20 cm, enfin pas tout à fait, pour avoir environ 10 cm de chaque côté qui va pendoyer de l'album. Ici, donc le but ce serait d'accrocher ça ensemble. On va faire un petit nœud. Alors je vais prendre la moitié du fil blanc et nouer ensemble ce petit bouquet de pistils. Bien resserrer le tout. Je vais faire deux nœuds, c'est plus sûr. Alors après, sur notre album, pour l'accrocher, donc on va avoir tout ça qui va pendoyer. Ça fait un peu comme une grappe de gui, je trouve, avec les pistils comme ça. Je trouve ça mignon. Donc on a déjà ce petit amas comme ça. Il faudrait qu'on rajoute une baie. Alors en l'entortillant autour, puisque le fil est en alu. Donc on doit pouvoir faire un petit tour comme ça ou deux pour le fixer. Et en fait faire une boucle avec. Et ça va passer dans notre anneau qui est sur la tranche de l'album. Alors si je mets tout derrière. Comme ça me fait une petite boucle. Alors je vais encore refaire un petit tour autour du fil pour bloquer cet anneau en le resserrant. Voilà, donc c'est vraiment comment dire, simple, léger, vite fait, comme vous pouvez le constater, hein, j'ai pas enfilé de perles à suspendre. On pourrait. Mais là, je vais laisser ça comme ça, c'est assez nature en fait. Et là, on n'aura plus qu'à l'accrocher sur l'album. Alors, je vais aller le chercher, mais je pense qu'il n'est pas tout à fait sec. La déco qu'on a fait dessus tout à l'heure. Donc, voilà le dessus de l'album. Donc ici, on a notre pâte avec l'anneau. Alors, je vais monter pour vous. Montrer avec plus de facilité. Donc ce sont des petits anneaux qui en s'écartant s'ouvrent. Donc il suffit d'enfiler notre breloque dedans et de resserrer. Et là, on l'a à l'endroit. Donc c'est ça l'avantage, c'est que la petite pampille en nacre est à l'endroit. Et on a encore les fils qui vont descendre derrière. On va les faire passer derrière et les faire descendre sur la tranche de l'album. Hop là, c'est pas évident de vous montrer ça à distance. Voilà la pampille qui va à l'arrière de l'album. Voilà pour cette petite déco.